La fruitière est le lieu où on fabrique le comté, où on transforme donc le lait des producteurs en comté. Donc le lait est déversé dans des cuves, de là on ajoute, on apporte notre recette. Et cette recette, donc, c'est l'ajout de ferments lactiques qu'on a cultivé. Au niveau de la cuve, on a un remplissage qui correspond au nombre de fromages qu'on va faire. On va y incorporer les levains et on va laisser maturer une heure de temps. Lors de la maturation, les ferments qui sont dans ces levains vont se développer, se multiplier dans le lait et donc faire un bouillon de culture dans le lait pour acidifier, quoi. Ensuite, on va y incorporer la présure. La présure, c'est une enzyme qui est présente dans la panse du veau qui joue sur les liaisons des protéines. Donc la présure va jouer sur ces liaisons-là et faire coaguler le lait. Une fois qu'on a présuré notre cuve, donc on va arrêter la cuve, on va retirer les outils de brassage et puis on va mettre les tranches caillées. On a 30 à 40 minutes de temps de prise, on dit. Donc on attend un gel de caillé comme un gros yaourt. Après cette étape, on attend le temps de durcissement qui dure quelques minutes, donc 2 à 3 minutes, et on décaille. Donc avant le caillage, on avait du liquide et puis on a un changement de phase, on va dire, on se retrouve avec un gros bloc de solide avec notre caillé. Donc on va le découper progressivement, de plus en plus rapidement, pour obtenir des grains de la taille de gros grains de blé, on va dire. Donc le but du décaillage, en fait, c'est de faire sortir le sérum, faire sortir l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fromage, en fait, c'est une façon de conserver le lait. Le but, c'est d'enlever l'eau du lait pour pouvoir conserver le produit plus longtemps. Donc une fois qu'on aura nos grains de la taille d'un gros grain de blé, on va attaquer la phase de chauffage. Donc de 32 degrés, on va chauffer jusqu'à 55-56 degrés. Hein. Donc toujours pendant le chauffage, avec la chaleur qu'on va apporter, avec l'énergie, les grains vont se contracter et on va continuer à faire sortir le sérum. Et après, nous avons une phase de brassage, donc pendant 30 minutes. Et puis on va envoyer tout notre mélange donc dans le groupe de soutirage. Donc une fois que tout notre mélange arrive dans le groupe de soutirage, le grain va se poser dans les moules, le petit lait va s'évacuer par la porosité des moules et on va se retrouver avec notre pain de comté au fond du moule. Avant de le mettre sous presse, on va identifier le fromage, c'est-à-dire qu'on va mettre une plaque contre le fromage pour pouvoir suivre ce fromage tout au long de l'affinage. Donc sur cette plaque, il va y avoir la plaque de jour de fabrication, la plaque verte pour stipuler que c'est bien un comté AOC, et un petit chiffre, un numéro de cuve pour savoir quelle cuve a été transformée. Et là, quand on aura bien récupéré le cahier, on va le glisser dans les casiers et le presser. Donc après, notre fromage est pressé pendant 7 heures. Le lendemain matin, on va sortir les fromages des moules, on va les placer en cave. Et puis alors là, c'est toute une autre mécanique, on va dire, qui se met en route. Et de là, va suivre donc les soins deux fois par semaine, retourner, frotter et saler. Pour que la croûte se forme. Le fromage va commencer à se transformer, on va dire, c'est le début de l'affinage. C'est-à-dire qu'on le garde un mois de temps dans les fromageries. Et ensuite, il est envoyé dans les maisons d'affinage qui vont continuer le travail, c'est-à-dire qu'eux vont le faire vieillir. Pendant, ça dépend, 6 à 24 mois, tout dépend de la maturité du fromage, quoi.